Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment découper du carrelage. Pour ceci, il vous faut vous munir d'un appareil comme celui-ci qui découpe le carrelage. Donc voilà à quoi ça ressemble, là avec un petit levier. Alors sur cet appareil est équipé d'une petite roue coupante et d'un petit support juste derrière ici qui maintient le carrelage bien bloqué sur la paroi ici. Si, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ceci, il y a un trait ici qui vous délimitera où la roue passera pour couper votre carrelage. Comme ceci. Voilà. Donc, prenez votre appareil. Bon, pour accélérer la vidéo, j'ai préalablement tracé mon trait de coupe. Alors, prenez votre morceau de carrelage. Placez-le comme ceci, sous la roue. Alors, excusez-moi, j'ai les mains sales. Sous la roue. Et vous pouvez voir que le trait. Voilà, vous pouvez voir que le trait passe bien au niveau de mon trait noir. Alors, pour couper, vous poserez la roue de l'extérieur vers l'intérieur. Ce que j'appelle l'intérieur, c'est parce qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là. Donc vous prenez votre carrelage, vous le posez bien et vous allez pousser vers l'extérieur. Comme ceci. Vous allez répéter l'opération plusieurs fois. Crac. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est du côté émaillé qu'il va falloir couper votre carrelage. Vous allez répéter plusieurs fois. Voilà. Et vous pouvez voir que votre carrelage a été découpé. Bon, s'il vous reste des petites chutes comme ça, c'est pas très important. Si vous avez une lime assez ancienne, vous venez poncer ou encore avec un bout de papier de verre comme ça, à plat, vous allez retirer les petits défauts de coupage. Donc c'est pas très grave. Donc voilà comment couper du carrelage simplement et proprement. Au revoir.